Un agent va prendre en charge votre demande. Merci. Connaissez-vous notre site impots.gouv.fr? Toutes nos lignes sont actuellement occupées. Veuillez nous en excuser et bien vouloir nous rappeler ultérieurement. J'ai l'impression de vivre une boucle spatio-temporelle avec ce chalazion qui ne fait que... Enfin, c'est même pas le même en plus. Pour la petite histoire, j'ai eu le premier chalazion de ma vie en juin. Et dans la foulée, quand il est parti, j'en ai eu un deuxième à l'autre œil. Et là, à la rentrée, j'ai eu le même chalazion que j'avais eu au départ. Il est parti plus ou moins la semaine dernière après l'avoir traité comme je le pouvais. Et là, j'en ai un deuxième qui apparaît depuis hier. C'est pas un drame, un chalazion, je vous l'accorde, mais c'est très désagréable, ça fait mal, ça déforme la gueule et ça fatigue. Donc c'est quand même relou. Le tout en essayant de traiter des problèmes d'amende de stationnement de mon scooter. J'en ai eu plusieurs dernièrement et il semblerait qu'ils n'aient pas ma bonne adresse. Ils ont mon ancienne adresse. Du coup, ils envoient toutes mes amendes à mon ancienne adresse que je ne reçois donc jamais puisque je n'habite plus là-bas. Et les amendes sont sans cesse donc majorées alors que je ne les vois pas. Donc je peux pas les payer. Veuillez patienter. Votre appel va être pris en compte. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi, un lundi qui démarre comme un lundi, quoi. Il fait gris, il fait moche, j'ai des problèmes avec l'administration française. Là, je dois sortir aller récupérer un colis. Et dans l'après-midi, je vais me rendre à la station de montage de la saison 2 de Baltringue, qui est en cours, donc qui est en post-production en ce moment. Donc ça fait... On a tourné il y a 3 semaines et c'est parti direct en post-prod. Là, le montage est terminé. Maintenant, on passe au mixage son et à l'étalonnage. C'est pour rendre l'image, les couleurs et la lumière comme on le souhaite. Et la post-synchro, bah, je vous montrerai tout à l'heure, mais en gros, c'est refaire des répliques ou des voix qui n'étaient pas bien prises au son ou qui sonnaient pas juste au jeu. Et du coup, il faut que j'aille en refaire certaines. Je suis habillée comme ça. J'ai mis des petites chaussettes chien. Le coucou Suzette. Je les aime trop. Colis récupéré et course effectuée. Qu'est-ce que j'ai acheté? Un brocoli, du chocolat, des kiwis, des vasa, de la pâté pour Minette, des petits concombres, des figues, du lait d'avoine, des nuggets végé, des œufs et un masque sous vos conseils, un masque chauffant pour mon chalazion. 18 euros cette merde, c'est un truc qui se met au micro-ondes là. Et des avocats, évidemment. Je voulais filmer plein de trucs, mais en fait, j'ai fait que pleurer. Ouais, je suis méga triste en ce moment, du coup, je pleure beaucoup et ça me prend beaucoup de temps dans ma journée. Et beaucoup d'énergie aussi, du coup, je suis grave fatiguée. J'ai 2 montages à rendre pour une marque avec laquelle je collabore. Et après, je pars en post-prod. Faut que je me grouille. Un peu la scène si tu veux, comme ça tu vois. Ouais. À quel moment je te mets le. Tu vois, il est pas mal celui-là. Ouais. Est-ce qu'on le fait pas plus porter? Imagine Calin. Que tu dis désolé en disant désolé. Câlin. Désolé. Câlin. Il y en a des biens. Câlin. Sorti du mix comme ça, ça va être trop bizarre à chaque fois, mais. Câlin. Câlin, câlin, câlin. J'ai fait un truc que je fais quasiment jamais, je viens de me commander à bouffer et en plus de ça, je me suis commandé un burger. Je mange de la viande rouge, je dirais, une fois tous les 2 mois et c'est souvent dans un burger parce que autrement je peux pas, et un burger bien cuit parce que je déteste la viande saignante, ça me plaît pas. Et souvent c'est parce que je vais avoir ou que j'ai mes règles. Là, c'est pour une autre raison, c'est juste que je suis déprimée. La post-synchro de Baltringue, c'était cool, ça m'a sorti un peu du truc, et après j'ai bu un petit verre avec Léa et c'était trop bien, mais là je viens à peine de rentrer chez moi, je suis triste. Et donc j'ai la flemme et j'ai pas envie de faire d'effort, donc j'ai commandé un burger. Mmh.
Ça, c'est vraiment mon petit déj du moment. Je suis obsessed. Update. Retour de chez l'ophtalmo qui m'a donc percé ce nouveau chalazion. C'était horrible. Celui d'avant, il n'est pas tout à fait parti. Il n'y a qu'un moyen de le faire partir, c'est de l'inciser. Donc il va falloir que j'aille faire une incision. Je peux plus mettre mes lentilles, je suis obligée de mettre des lunettes. Je déteste avoir des lunettes, puisqu'il pleut tous les jours que Dieu fait sur Paris, donc j'ai tout le temps des gouttes dessus, ça me tend. C'est un vlog dans lequel je me plains. Non mais écoutez, ça va un petit peu mieux qu'hier, lundi c'était horrible, mardi c'est un petit peu mieux, c'est pas encore la folie. Et je vais aller au sport, là j'ai un cours de sport dans 30 minutes, je pense que ça ne peut me faire que du bien. Donc go sport, go sport, go sport, go sport. En route vers le bien-être. Non, c'est pas ça. Ça, c'est feu vert, en route vers le bien-être. Et la grande question habituelle quand je reviens du sport, est-ce que d'abord je mange ou d'abord je me douche? Tu dis quoi, toi? Allez, je vais me doucher d'abord. J'ai faim. Oui! Oui? Oui, mais toi, t'as déjà mangé? Si, si. Tu vas pas manger deux fois quand même en une matinée? Bah non. Bah non? Alors, ça vaut quoi ces petits nuggets vegan? Vous connaissez ça? C'est de la mayo sriracha. C'est de la mayo qui pique, c'est délicieux. Alors. Mmh. Et les petits concombres qui piquent là. Mmh. J'ai reçu un colis de chez nous, qui est une marque que j'adore, avec laquelle je travaille. J'essaye de vous faire de l'ASMR. C'est une petite robe courte avec une petite fente à manches longues. J'adore. Totalement ma came ce genre de robe. J'aime trop la coupe. Elle est trop belle. La petite fente là, c'est trop cute. Elle taille parfaitement. Moi j'ai pris ma taille habituelle du 38. Elle est trop confort. Court comme j'aime, mais pas non plus ras la moule. J'ai un code en affiliation avec nous. C'est NEWMINUTE. C'est un nouveau code là pour les nouvelles utilisatrices. Et je vous montrerai plus tard le pyjama que j'ai eu il y a pas longtemps et que je mets tout le temps. Je l'aime trop, je l'aime trop trop trop. Je vais retrouver Juliette et Camille pour parler de la suite de Matin Glorieuse qui est sortie sur YouTube. Donc je vous le mets là si vous l'avez pas encore vu. J'étais sûre que tu prendrais un verre de vin. Tu sais, dans mes toilettes, il y a l'article de Luma. Et à chaque fois, mes yeux se posent sur une seule et même phrase, c'est « Dis Camille, dans un éclat entre deux gorgées de vin blanc. » À chaque fois, au chiottes, à chaque fois, je suis là. Non, mais une alcoolo entre deux gorgées de vin blanc. C'est désagréable, il pleut. Oui. Et j'ai des lunettes. Donc c'est d'autant plus désagréable, ça me fait des gouttes. Allez, tu trouves un truc pour manger? Bah ça, franchement, t'as vu, c'est que des trucs, on est au hall, quoi. Céline, d'avoir été... J'ai l'air idiote avec mes boules. Je suis... Il y a un coloriste qui m'a proposé de me faire une couleur et j'en ai jamais fait. Donc voilà, j'ai jamais eu spécialement envie parce que j'aime plutôt bien ma couleur, mais là il m'a bien vendu le truc, il m'a dit que c'était pour sublimer ma couleur, pour lui donner de l'éclat et tout. Donc bah écoutez, j'y vais. Le seul hic, c'est que c'est à 40 minutes en scooter de chez moi. C'est genre littéralement l'opposé de Paris. Il pleut des cordes. Donc je vais arriver toute mouillée comme un petit chien. Un gros pull. Un gros jean et des bottes. Quand il pleut comme ça, là, faut faire au plus simple et au plus confortable. Et au plus sec. Je vais évidemment mettre mon kawaii.
Mais genre, il pleut des cordes. Je viens de me taper le rond-point des Champs-Élysées sous la pluie. C'était horrible, je recommande pas du tout l'expérience. J'ai fait une décolo il y a 10 ans chez moi avec des vieux produits. Ok. Pour oui. voir comment j'étais blonde, quoi. On peut axer un peu l'éclaircissement là-dessus, ouais. c'est-à-dire avoir des reflets un peu plus chauds, réveiller un peu ce que t'as déjà sur les pointes en un petit peu plus prononcé. Yeah. On va valider le son global des 5 épisodes de Baltringue. On va le valider. Répète-toi encore plus. Je te dis quand on est sur lui. Moi je pense venez plus près de moi parce que on n'écoute pas très bien ici, je pense. On n'entend pas très bien. Pardon. Bah, faites ce que vous voulez. Hein. Je veux pas du tout vous mettre dans l'intro. Est-ce qu'on peut faire un peu de documentaire sur moi réel, exécrable, s'il te plaît. Pourquoi faux? J'ai pensé. Victor, j'espère que t'as fait quelque chose de bien, sinon t'es renvoyé. Ok. Bah c'est de la merde, je me casse. C'est lui le pyjama nous qui est trop beau. Et trop confort. Il est tout doux, on dirait de la soie. Voilà, je le mets tout le temps. C'est la fin de ce vlog et c'est la fin de la semaine et je pars à Marseille retrouver mes deux meilleures copines. Je pense que c'est la bonne conclusion à ce vlog qui était un peu... le chaos. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous kiffez ce que je fais. Surtout qu'il y a Baltringue saison 2 qui arrive bientôt, donc vous allez quand même pas manquer ça. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et sur TikTok. Je vous embrasse et vous souhaite un bon dimanche.